السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض أو حتى الامتحان الوطني، مع موضوع جديد يتعلق بمادة الكيمياء. إذن مادة الكيمياء في خصوصا الدرس المتعلق بليطا ديكيليبر دان سيستيم شيميك. دونك فوالا فوزالي revoir le sujet. Donc le sujet est devant vous, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour le relire convenablement, puis répondre aux questions posées en se basant bien sûr sur ce que vous avez bien sûr vu dans votre cours. Alors l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide lactique avec l'eau. Donc pour cela on prépare deux solutions aqueuses S1 et S2 de cet acide et on fait les deux mesures. Pour la solution 1, on prend un volume V1, pardon, c'est pas V2, donc c'est un volume V1, donc je vais corriger. Donc on va prendre un volume V1, sa concentration est C1, donc voilà, et de pH, bien sûr, 2,4. Alors la solution 2, donc de volume V2, de concentration C2. On vous donne la conductivité en millisiemens par mètre moins 1, donc il faut faire très attention aux unités. Alors on vous donne les conductivités molaires ioniques pour chaque ion. Alors la première question c'était d'écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique avec de l'eau, construire le tableau d'avancement, étude de la solution S1, trouver l'expression du taux d'avancement final taux 1 de la solution en fonction de C1 et de pH1, puis le calculer et conclure. Montrer que l'expression de Q à l'équilibre peut s'écrire de cette forme expression-là. Déduire la valeur de la constante K1. Alors pour la solution 2, on va exprimer le taux d'avancement taux 2 de la solution S2 pour en fonction de ces paramètres-là. Et on va le calculer. Donc vérifier que le pH de la solution de S2 est égal à 3,34. Calculer la valeur de la constante d'équilibre K2. Et bien sûr, on va comparer taux 1 et taux 2 pour déduire l'influence de la concentration initiale sur l'avancement, ou bien sûr le taux d'avancement final. Et donc on va comparer ensuite K1 et K2 pour en conclure. Alors voilà, بالنسبة لهذا الموضوع فهو موضوع شامل. إذن غادي نحاولوا ما أمكن نجاوبوا عليه دائما من خلال ما عرفناه من خلال الدرس. إذن بالنسبة للسؤال الأول يتعلق بإكرير la réaction de l'acide lactique. Donc vous savez bien sûr un acide avec de l'eau. Donc un acide, c'est une toute particule capable de céder bien sûr un proton H+. Donc c'est très facile. Donc à partir de la formule de l'acide, voilà. Donc sa réaction avec de l'eau, vous savez bien sûr que elle va libérer un proton, donc elle va rester seulement à 5, donc à 3-, et le H va passer à H2O, donc elle va donner naissance à H3O+. Donc voilà votre réaction. Donc il faut savoir comment traiter une réaction acido-basique. Donc voilà. Donc pour la construction de le tableau d'avancement, donc on va écrire cette réaction et à partir, donc voilà, c'est H3A6O3 plus H2O. Donc c'est 3H6A5O3- plus H3O+. Donc vous pouvez faire un tableau. À partir de ce tableau, vous avez l'état initial. Donc ici, durant la réaction, si vous voulez, à l'état d'équilibre. Donc chacun peut le nommer comme il le veut. Donc on a à T égale à 0, c'est-à-dire on a un certain nombre de moles. Vous savez le nombre de moles, c'est CV. Donc l'eau, il est toujours en excès. Donc ici on a 0, 0. Alors à un instant donné, donc on aura CV moins X. X, voilà X. Donc à l'état d'équilibre, on aura CV moins X à l'équilibre. X à l'équilibre, X à l'équilibre. Donc voilà pour le tableau d'avancement. Alors je passe maintenant à l'étude de la solution 1. On vous demande de trouver l'expression du taux d'avancement. Alors il suffit d'appliquer votre formule taux 1 c'est X à l'équilibre sur X max. Alors vous savez que le nombre de H3O+, de l'ion H3O+, normalement c'est C fois V.
Alors pour notre cas, donc si j'étudie la solution C1, S1, donc je mets C1, V1. Alors à partir de là, c'est-à-dire le nombre, c'était quoi? C'est x à l'équilibre. Dans ce cas, x max, c'est C1, V1. Donc, on a dit que taux 1, c'est x à l'équilibre. Alors, x à l'équilibre n'est autre que la concentration de H3 au plus. Ça, c'est la concentration à l'état initial. Mais la concentration, pardon, ici, la concentration de H3 au plus normalement, c'est x à l'équilibre que je divise par le volume V1. Donc, voilà. Donc, x à l'équilibre sera donc H3 plus fois V1 que je divise par x max, C1, V1. Donc en simplifiant, donc on aura H3 au plus, voilà, sur C1. H3 au plus, c'est 10 moins pH d'après la formule, donc sur C1. Donc il suffit de faire votre application numérique sur 0,1. Vous allez trouver taux 1 égale à 0,036. Comme il est inférieur à 1, cela implique que la réaction est limitée. Bien n'est pas total comme vous voulez. Donc voilà pour la conclusion de la question 3a. Alors pour la question 3.2, on vous demande de déterminer l'expression de QR à l'équilibre. Donc c'est par à partir de la réaction chimique, c'est H3 au plus fois la concentration de C3 à H5 au 3 moins sur la concentration de l'acide, c'est-à-dire C3 à 6 au 3. Alors, puisque à l'équilibre est toujours d'après le tableau d'avancement, vous avez la concentration de H3 plus est la même que celle de C3 à 5 au 3. Donc, on peut soit garder l'une multipliée par l'autre. Donc, ça sera H3 plus sur la concentration de C3. C'est quoi? C'est la concentration. Donc, c'est C1 moins X à l'équilibre sur V1. Autrement dit, c'est H3 au plus au carré sur C1. Alors x à l'équilibre sur V1 n'est autre que C1 taux 1. Alors donc, je continue. Donc H3 au plus d'après l'expression déjà trouvée, c'est C1 fois taux 1. Donc C1 fois taux 1. Donc je dois le mettre au carré. Donc voilà, au carré sur C1 moins C1 taux 1. Donc si je simplifie par C1, je garde C1 taux 1 au carré sur 1 moins taux 1. Alors il faut bien vous habituer à faire ces formules-là parce que ce sont très nécessaires pour ne pas perdre assez de temps. Alors il suffit de faire maintenant la question 3, déduire la valeur de la constante. Alors vous remarquez bien sûr que pour Q à l'équilibre n'est autre que la constante d'équilibre puisqu'il s'agit d'un acide. Alors c'est-à-dire on aura tout simplement C1 taux 1 au carré sur 1 moins taux 1. Donc on va faire l'application numérique. Donc c'est 0,1 fois 0,036 au carré que je divise par 1 moins 0,036. Alors j'ai trouvé, j'espère que mon résultat est bien correct. Donc c'est 1,310 moins 4. Donc voilà pour cette question. Maintenant, je vais passer à la question qui suit, c'est la question 4, l'étude de la solution 2. Alors, je vais vous faire une remarque, c'est que pour la solution S2, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une autre solution d'acide lactique, mais cette fois-ci de concentration C2, bien sûr, avec C2, elle est inférieure à C1. Alors, on va voir quelle est l'influence de cela, bien sûr, dans l'équilibre. Donc, c'est une question très intéressante qu'on vous posera bien sûr à la dernière minute, donc il faut savoir comment la traiter. Alors pour la question 4.1, d'abord exprimer le taux 2. Donc taux 2, c'est toujours c'est x à l'équilibre sur x max. Alors on a x à l'équilibre n'est autre que H3 au plus fois le volume, c'est V2. Alors on a sigma, c'est la somme des lambda i xi, c'est-à-dire c'est lambda 1 la concentration de C3 à 5 au 3 moins, plus lambda 2, la concentration de H3 au plus. Et comme
la concentration de H3+ est la même que la concentration de AC5O3-, ça veut dire tout simplement que sigma, je peux mettre lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3+, bien sûr, à l'équilibre. À partir de là, je peux en tirer la concentration de H3+, qui n'est autre que sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Alors, pourquoi j'ai fait tout cela? Tout simplement parce que je sais que taux 2, c'est x à l'équilibre sur x maximal. Donc, sans oublier bien sûr que x à l'équilibre, voilà, c'est x max fois taux. Donc, voilà, x à l'équilibre, c'est H3+, fois V2. Alors, à partir de cette relation, ces relations, je peux en tirer taux 2. On a taux 2 qu'on a dit, c'est quoi? C'est x à l'équilibre. Or, x à l'équilibre, n'oubliez pas que la concentration de H3+, que j'ai trouvé tout à l'heure, celle-ci, n'est autre que x à l'équilibre sur V2. Alors, x à l'équilibre, ça veut dire que c'est la concentration de H3+, fois V2. Et alors, j'aurai tout simplement, voilà, sigma V2 sur C1 fois lambda 1 plus lambda 2 fois V2. Alors, en simplifiant, bien sûr, j'aurai donc ces sigma sur C2 lambda 1 plus lambda 2. Donc, voilà. Donc, il suffit de faire application numérique. Donc, c'est 17,9 en millisiemens. Alors, faites attention. Ici, 2, la concentration, c'est 2,3 mol par litre. Alors là, qu'il faut faire très attention, il faut la rendre en mol par litre. Puis, vous allez continuer parce que l'autre, c'est en 6 millisiemens et l'autre en millisiemens. On aura une simplification. 35 plus 4, c'est 39. Donc, j'aurai 0,23. Alors, voilà pour cette question. Alors, une fois ceci est fait, on va passer au vérifier que pH2 égale. Alors, pour cela, c'est une question de vérification. On a, bien sûr, pH2, donc c'est la question 4.2. Donc, pH2, c'est quoi? Normalement, c'est moins log de la concentration de H3+. Alors, c'est quoi? C'est moins log de sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Alors, pour nous, H3O+, on a dit 6 sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Donc, c'est 17,9 que je divise par 39. Donc, celle-ci, ça donne quoi? C'est 0, j'ai trouvé 0,58 mol, mais c'est par mètre cubique. Alors, pour la rendre en mol par litre, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, mol par litre. Alors, ces conversions, faites attention à cela. Alors, dans ce cas-là, donc on aura pH2. En faisant nos calculs, donc c'est moins log de ce que j'ai trouvé, donc 0,45810 moins 3, vous allez trouver bien sûr 3,34. Donc vous allez vous assurer de cette valeur-là. Alors, maintenant, on va passer à l'exploitation des questions 3 et 4. Alors, première question, c'était en comparant taux 1 et taux 2. Donc, si j'ai oublié, je sais pas si j'ai oublié une question. Donc, il y a 4 3, donc il faut répondre à la question 4 à 3. Calculer la valeur de la constante K2. Alors, je n'ai pas fait. Donc, je vais la faire ici. Donc, K2, donc c'est la question 4 à 3. K2 n'est autre que H3O+, fois C3H5O3-, que je divise par C3H6O3. Autrement dit, c'est H3O+ au carré sur C2 moins H3O+. C'est-à-dire 10 moins pH au carré, ça devient 10 moins 2 pH2 sur C2 moins 10 moins pH2. Alors, en faisant notre calcul, donc c'est 10 moins 6,68 sur C2
qui est égal à 2, 10, moins 3, moins 10, moins 3,34. Alors, j'ai trouvé 1,3, 10 à la puissance moins 4. Voilà. Pour la question en comparant taux 1 et taux 2. Donc, on remarque d'abord que taux 1 est inférieur à taux 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour la solution S2, la concentration, il y a une diminution. Donc, la diminution de la concentration a une influence sur la valeur de taux. Sur la valeur de taux. Autrement dit, on a C2 est inférieur à C1. On a donc trouvé que C2 est supérieur, taux 1, taux 2 est supérieur à taux 1. Donc, c'est-à-dire que la diminution de la concentration implique une augmentation du taux. Donc là, ça c'est une remarque très intéressante. Alors, pour la question 5.2, en comparant K1 et K2, vous remarquez que K1 est égal à K2, c'est-à-dire que K, elle reste constante. Donc, il ne dépend que de la température. Donc, voilà pour ce sujet-là. Donc, c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le distribuer, de le partager avec vos collègues. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.